à toutes, aujourd'hui nous allons réaliser notre boa de cuisine. Ne vous inquiétez pas, celui-ci ne va pas vous mordre. Par contre, il vous sera très utile. Vous allez voir comment. On y va? Oui, vous l'avez compris, nous allons continuer d'organiser notre cuisine. Donc la dernière fois, nous avions fait nos essuie-mains ou torchons, comme vous voulez. Et cette fois-ci, nous allons faire notre boa torchon. Prenez une serviette, pliez en deux et coupez au milieu. Prenez une bande de tissu de votre choix. La longueur sera 1 mètre sur 24 cm de large. Pliez la bande, marquez le milieu, faites la même chose de l'autre côté. Prenez votre serviette, la partie que vous avez coupée, faire des plis. Et le principal de tout ça, c'est de voir partir vos plis du milieu de la bande et vous arrêter à 1,5 cm du bord. Placez vos plis et votre serviette, une fois plissée, doit rentrer dans cette distance-ci. Vous devez bien faire attention aux endroits apparents des deux côtés et de poser le plissé des deux côtés aussi. C'est-à-dire cette partie où il n'y a rien doit se retrouver pareil dans le même côté. Épinglez bien vos plis. Pour plus de précaution, piquez à 1 cm pour tenir les plis avec la bande en premier. Une fois que vos plis sont bien fixés, prendre la bande, la plier en deux, épingler et piquer à 1,5 cm. Point d'arrêt début, point d'arrêt à la fin. Et venir faire la même chose de l'autre côté. Épinglez tout le long et laissez une ouverture de la largeur de votre main. Venez piquer à 1,5 cm du bord, point d'arrêt début, jusqu'à l'ouverture, point d'arrêt. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Poussez bien la serviette à l'intérieur pour ne pas la prendre avec la bande. Faites un surfilage tout autour si besoin. Vous n'aurez plus qu'à venir tirer sur la serviette pour tout remettre à l'endroit. Surpiquez tout autour de la valeur du pied presseur. Commencez au milieu de la bande afin de ne pas voir le raccord. Voilà, vous allez avoir une très jolie finition des deux côtés. Votre serviette boa est faite. Et ceci est bien pratique pour porter ces plats chauds. Et voilà, vous l'avez réalisé, votre boa. Il vous sera pratique, vous verrez. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous.